Il était une fois en Afrique. Il y avait un petit village qui se situait à l'est de l'Afrique, appelé Omonoé. Une terre forte en agriculture et bénie par les dieux avec un tambour sacré. La terre était paisible et calme. À Omonoé, il y avait un secret traditionnel pour l'agriculture, pratiqué par le peuple. Avant chaque saison des famines, tout le peuple se rassemblait au palais du roi pour connaître les sorts venant de Dieu. Le roi, le seul à avoir le pouvoir et l'autorité, fera descendre les tambours et y jouer. La récolte qui va apparaître en ce jour est la seule récolte approuvée par les dieux pour que le peuple mange et cultive pendant cette saison particulière de famine. Et cela doit être consommé avant la saison prochaine des plantains. Et quiconque va contre cela doit mourir. Au peuple de Umunde, Igwe, la nourriture est là. La nourriture est là. Et le meilleur reste à venir. Mais il y avait un homme appelé Isiagumba qui aime beaucoup l'igname et qui en a mangé pendant une saison particulière de plantation. Papa, Ototoma. Ototoma, ma fille. Aujourd'hui, il y aura la pleine lune. Cela marque la fin de la saison de semences. Et la tradition exige que ces ignames puissent être mangés aujourd'hui ou soient jetés à la rivière des Miragos. Ma fille, je le réunis ici, comme tu peux bien voir, pour les jeter au long de la rivière. Papa. Je sais que tu aimes les ignames, mais la tradition démontre qu'aucun produit de la récolte précédente ne peut être conservé à la maison au moment de la prochaine saison de semences. Les dieux vont s'occuper de ce que nous allons manger et s'aimer demain lorsque Hugues va faire retentir les sons de tambour. Ma fille, je suis ton père et je connais la coutume et la tradition de notre terre. Laisse-moi prendre la lance. Ma fille, va et reviens en paix. Ici. Que nos ancêtres soient avec toi. Ici. Tu vas aller et revenir en paix. Ici. Que nos dieux soient avec toi aujourd'hui. Ici. Vas-y, ma fille. Ok, papa. Je serai bientôt là. D'accord. Très bien, ma fille. D'accord. Très bien. Alors, quand la prochaine saison de plantation est arrivée, les dieux n'ont pas envoyé d'igname comme récolte pour être mangé ou planté pendant cette saison particulière de plantation. Mmh.
mon peuple. Très cher peuple du royaume de Umuri. Mon très cher peuple. Oh, les dieux sont bons. Ils nous aiment beaucoup. Ils nous aiment énormément. Les dieux nous ont bénis dans cette saison de plantation avec ces magnifiques présents. Et que les dieux soient bénis. Gloire au Dieu. Gloire au Dieu. Que les dieux soient loués. Alors quand il est rentré à la maison, il était heureux pour manger un peu du niam. Alors cette année, nous n'allons pas planter du niam. Mais j'étais vraiment intelligent d'avoir ajouté un peu du niam dans la saison précédente de plantation. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas finir tous les ignames que j'ai à la maison? Je pense que je sais quoi faire. Je vais commencer à les consommer et sans que personne ne le sache. Et je vais aussi planter une autre quantité pour que cela me reste jusqu'à la prochaine saison de plantation. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Oui, c'est ce que je vais faire. Naï, bonjour. Mais qu'est-ce qu'il va comme ça? Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il cache quelque chose. On le salue et il ne répond pas. Hein? Je comprends pas. Il ne salue même pas les gens, il passe. Ah oui. Il y a quelque chose comme ça par rapport à mon ami. Allons-y seulement. Il est suspect. Il essaye de cultiver les ignames contre les instructions des dieux. Et les dieux l'ont frappé pour désobéissance.
Hey. Qu'est-ce qu'il a? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Hey. Vraiment? Monsieur. Qu'est-ce qu'il... Chibon, est-il mort? Est-il mort? Hey. Okirikiri kana di yeri eskiri. Efri metere, oriyaji asi. Mon roi, il a désobéi au dieu en cachant les ignames dans une plantation de saison interdite. Pour ça, les dieux ont rejeté son esprit. Il ne sera pas enterré. Hey! Hey! Tout fia quoi! Mon roi, la déesse de la fertilité, a rejeté son corps. Il sera décomposé dans la forêt interdite, où les vautours vont se nourrir de sa chair. Garde! Les paroles des dieux, les paroles des esprits, doivent être obéies. Prenez son corps et aller le jeter dans la forêt maudite. Hey! Faites-le élément possible. Enlevez ça de là. Quelques années plus tard, pendant une saison de plantation, un jour avant que les villageois ne se réunissent au palais du roi pour connaître le sort venant de Dieu, pour savoir sur quoi il doit faire leur plantation, l'impensable est arrivé. Quoi? Le tambour. Où est le tambour sacré? Le tambour sacré. Le tambour sacré. Le tambour sacré. Où est le tambour sacré? Le tambour sacré. Garde! Oui, mon roi. Vas-y, sonne la flûte. Sonne la flûte tout de suite! Le tambour sacré! Abomination! Abomination! Le tambour sacré! Sonnez la flûte maintenant! Thank you.
fille de grande pureté. La fille qui est plus âgée que sa mère. La fille à laquelle les esprits doivent beaucoup. Les punitions de Dieu nous donnent l'impression d'être rapprochés de la mort. Mais les dieux sont miséricordieux et ils ont un bon sens de l'humanité. N'ayez pas peur, mon roi, car nous ne sommes pas dans la ruine. Chère fille de l'esprit, ce tambour sacré a disparu. Il a disparu. Et aujourd'hui marque la fin de notre saison de plantation. Et demain, nous sommes censés jouer du tambour sacré pour connaître la fidélité que les ancêtres ont pour nous. Mais le tambour sacré est totalement introuvable. Le tambour sacré est introuvable. Qu'allons-nous faire maintenant? Avant de parler de la solution, parlons d'abord de la cause. Quelle est donc la cause, grande sage? Mon roi, la terre a été profanée par l'un de nous. Qui est-ce qui a profané la terre? Parle! Et celui-là sera tué. Brûlé vive! N'oublie pas, mon roi, que le voix du roi sont le voix de Dieu et vous ne pouvez pas les révoquer. Je suis le roi Ogidi, le roi du royaume d'Omundri. Mes mots demeurent toujours. Tout ce que je dis, le reste. Tout ce que je décris, le reste. Je ne peux jamais revenir sur mes mots. Je ne reviens jamais sur ma décision. Grande sage, le tambour secret a toujours été notre source de vie quotidienne. Depuis même le jour de nos ancêtres. Alors quiconque a fait cela sera brûlé vif. Et aussi vite que je ne le dis, c'est ce qui sera fait. Les dieux et les esprits sont témoins de ces choses. Exact. Mon roi, votre fils, le prince de ce royaume, c'est lui la cause de ces problèmes. Garde! Mon roi, saisissez-le. Qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Bien, papa. Ce n'est pas tout, mon roi. Obioma était avec le prince. Hey! Obioma! Hey! Saisissez-la, écoute. Mon roi! Mon roi! Obioma! Oh, mon Dieu! Prince Ikenna, qu'est-ce que tu avais fait? Parle ou je te tranche la gorge. Mon roi, il va parler. Papa, ça a commencé à Ikema il y a 2 jours. Bonjour, mon prince. Bonjour, Obioma, la fille de Muyeke. Comment tu vas? Je vais bien, mon prince. Obioma, as-tu émis une pensée sur ce que je t'avais dit la fois passée? Mon prince, vous savez que c'est une abomination de coucher avec vous si vous n'êtes pas mon mari. Et les dieux ne le permettent pas. Je suis encore vierge, je ne peux pas le faire. Tu sais très bien que je suis le prince de ce royaume et le prochain roi de ce grand royaume. Et je ne ferai en sorte que rien ne t'arrive. Mais mon prince... Obioma, regarde. Une fois que mon père sera mort,
je vais entrer en possession de ce royaume. Et je ferai de toi, Obioma, ma reine, une fois que je deviens le roi de ce royaume. Vous voulez dire que vous allez faire de moi une reine? Oui, bien sûr. Ok, j'accepte. Mmh. J'accepte de devenir la vôtre pour toujours. Rencontre-moi au prochain Ekema. Et juste sous cet arbre-là. Ok, mon prince. Oh, Bioma. mon père risque d'être au courant de tout. Je dois déjà partir. Ok, mon roi. Oh, désolé. Oh, c'est pas grave. Bye, bye. Je veux devenir une reine. Hey. Oh, Bioma. De quoi est-ce que vous parliez, le prince et toi? Je suis en train de penser à ma mère. Tu sais très bien qu'elle est malade. Oh, Bioma. Et vous étiez tous les deux en train de sourire. Et alors? Et alors? Tu sais que je suis ton amie. Dis-moi la vérité. Oh, Bioma. Ne pars pas, Bioma, s'il te plaît. Attends-moi. Oh, mon prince. Papa. Mon roi. Le prince a défloré Obioma dans le champ de notre roi. Et son sang a souillé le champ du royaume. Cet acte a énervé Oni, la déesse de la fertilité. C'est pourquoi elle a envoyé le vierge d'Edemiri de prendre le drum qui est la source de notre production. Que Itié et les dieux rejettent ton cadavre quand tu seras mort. Puissent nos ancêtres rejeter ton esprit. Tu n'es plus mon fils. Jésus. Garde, papa. Votre Majesté. Papa. Emmenez. Papa. Jetez les doigts. Papa. Papa, s'il te plaît. Papa. Papa. S'il vous plaît. Grande sage, que faire ensuite? Qu'allons-nous faire ensuite? Mon roi, les dieux sont silencieux. Demain à midi, nous allons tous nous rassembler ici pour entendre le plan de Dieu pour nous. Naya, comment tu vas? Ekema, la beauté de ta mère. Je vais bien. Je reviens de la forêt, comme tu peux le voir, j'étais allée vérifier mes pièges. N'étais-tu pas au palais?
Au palais, qu'est-ce qui s'est passé? Le tambour sacré est disparu. Quoi? Abomination! Salut! Qu'est-ce qui est arrivé à notre source de nourriture? Ezewae a poussé le prince à confesser. Elle a dit qu'il avait pris la virginité de Obioma et son sang a souillé la terre. Les dieux se sont fâchés et ont récupéré le tambour sacré qui est la source de notre nourriture. Hé! Hey, c'est pas bien ça. Pas du tout. Et qu'est-ce que Ezewae, la fille de Dieu, a-t-elle dit à propos? Elle nous a dit de rentrer à la maison et de revenir au palais demain matin. Hé! Hey, que les dieux nous viennent en aide. Essaye. Je m'en vais. On se voit demain au palais. D'accord. Hé! Hey. Allô? Ce n'est pas bien ça. Salut, mon roi. Fille des dieux, quels sont les mots venant des dieux? J'ai supplié le dieu avec le sacrifice des animaux, la déesse de la fertilité. Elle et les dieux nous ont pardonné. Oui, mon sourire. Avant d'avoir de nouveau le tambour. Cinq personnes doivent être envoyées en mission vers la rivière des Edemiri. En cours de leur route, ils rencontreront le Vierge des Edemiri. Et c'est là qu'ils auront de nouveau le tambour. Oh, fille des dieux. Chère fille des dieux. D'après mon humble connaissance, la rivière de Edemiri se trouve derrière la forêt maudite. Et je le sais très bien que personne, aucun humain n'est déjà entré là-bas puis revenu en vie. Cela n'est jamais arrivé. Pourquoi? Pourquoi? Mon roi, nous ne devons pas remettre en question les instructions de Dieu. Leurs instructions doivent être exécutées. Qui sont ceux qui se portent volontiers en mission pour la rivière des Edemiri, afin de sauver notre terre de cette calamité? Cher Dieu, pourquoi nous? Cher Dieu, pourquoi nous? Hein? Alors qui, parmi vous, va volontairement aller dans la rivière de Edemiri? Ils sont restés calmes pour longtemps. Elle est passée devant. Son nom est Ugona, fille du feu, chef Agumba. Brave à la chasse et guerrière, elle était parmi ceux qui avaient arrêté les chasseurs quand ils sont arrivés à Okumoru. Ma chère fille, que les dieux, que le dieu te bénisse. Issé. Oh, tout ça n'a aucun sens. Qui encore? Elle s'appelle Ekema, la meilleure danseuse dans le village de Mori. Toutes les jeunes filles admiraient ses pas de danse. Yeah.
Iboubedike est l'homme le plus fort du royaume. Il a battu tout le monde de la compétition des luttes. Pendant 6 ans, personne n'a pu le battre. Son nom est Osa Adjere. Le son de sa flûte fait fondre les cœurs des femmes et des esprits. Même les oiseaux aiment le son et la mélodie de sa flûte. Que Dieu te bénisse, mon fils. Sois béni, sois béni. Chibogo, l'homme de la justice, il défend toujours les oppressés. Tu pleures. Ikena m'a tapé, il est parti avec mes fruits. Ikena t'a tapé et a pris ta nourriture. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne lui ai rien fait. Où est-il? Je ne sais pas. Suis-moi. Ikena. Présent. Pourquoi l'as-tu frappé et ravissé, fruit? Cela ne te concerne en rien. Oh, vraiment? Veux-tu savoir avec quel bois je m'échauffe? Ne sois pas étonné que je sois précurseur de paix aux âmes affligées. Et je vais t'enseigner, je vais t'apprendre une leçon que tu n'oublieras jamais dans ta vie. C'est bon. Merci. Le 5 sera envoyé dès demain matin en mission à la rivière des Demiri. Personne, je répète, personne n'est permis de manger. Mon Dieu. Vous ne boirez que de l'eau. Ainsi, les rois auront pitié de nous. Les dieux ont parlé. Et nous tous allons obéir.
les 5 guerriers du royaume sont envoyés vers la forêt interdite et même au-delà pour arriver jusqu'à la rivière de Miri pour recouvrer le tambour sacré. Il est temps pour vous de faire votre voyage vers la rivière des Mili. N'oubliez pas que la survie de ce royaume et de nous autres est entre vos mains. Quand vous serez proche de la rivière des Mili, vous serez tenté par les dieux et vous ferez face aux esprits impies. Mais soyez sages. Vous êtes interdit de manger ou de boire. Je le répète, ne mangez pas, ne buvez rien de ce qui vous sera donné dans cette rivière. Ekema, avance. Prends cet œuf. Tu vas l'utiliser au besoin pour sauver les autres. Lève-toi. Il est temps pour vous d'embarquer dans ce voyage. Merci, la grande sage. Partez maintenant. Que le Dieu soit avec vous. Partez. Sauvez notre peuple. Partez! Partez! Partez!
Nous ne sommes pas en sécurité dans cette forêt. Nous devons être très prudents. C'est dans cette partie de la forêt qu'on jette les cadavres de ceux qui commettent l'abomination. Es-tu sérieuse? Oui. Comment tu l'as su? As-tu oublié qu'elle fait la chasse et qu'elle connaît tout le coin de la forêt? Alors, quelle route devons-nous prendre? Quel chemin? Nous irons vers l'ouest. Des soirées. Partons, on y va. Reviens.
Pourquoi? Je vais m'occuper de ça. Allons-y, partons. La nourriture! La nourriture! Non! Rappelle-toi de ce qu'a dit Zewai. N'ai jamais mangé ou boire. Je répète, ne mangez rien, ne buvez rien de tout ce que vous verrez ou vous serez donné dans cette forêt. Ne mange pas cette nourriture! Stop! Ne mange pas cette nourriture! Moi, j'ai vraiment très faim! Odjajili! Odjajili! Rappelle-toi, c'est un piège! Ezewai nous avait avertis à propos. Si nous devons réussir ce voyage, il nous faut manger cette nourriture. Odjajili! Odjajili! N'ose pas! Non! Fais pas! Odjajili! Odjajili! Je ne suis pas mort. Mangez! Prenez! Mangez! Prenez, mangez! Non, non! 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 Odjajili! Ne t'approche pas de lui! Recule! Nous devons quitter ces lieux! Partons tout de suite! Allons-y! Je n'arrive pas, il n'a qu'il revienne tellement ces gens. Tu as pas. Sois patiente. Le guerrier sera bientôt de retour. J'ai prié pour qu'il revienne en vie avec le tambour sacré. Oui. Calme-toi. Arrête de pleurer. Les guerriers seront bientôt de retour. Laisse-moi. Nous allons manger de nouveau. Arrête. C'est fini. Allez, viens. Ça va aller. Bientôt, nous serons sauvés. Et toute cette famille. Ça va aller. Fortifions-nous encore. C'est triste. Oh, mais qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Odjajili est mort. Ekema. Ekema, s'il te plaît, arrête de pleurer. Nous l'avons averti. Mais il avait refusé de nous écouter. Mmh.
Ikema, je comprends comment tu te sens. Tiens bon, oh, il aurait simplement dû nous écouter. Si seulement il avait écouté. Si seulement il avait écouté. Et maintenant que nous avons perdu un des nôtres, nous qui restons devons être beaucoup plus prudents. Parce que je ne peux plus digérer de perdre personne d'entre nous. Nous devons nous reposer, Sissi. Comme vous pouvez le voir, il fera bientôt la nuit. Reposons-nous, nous continuerons notre voyage demain matin. Arrête de pleurer. Mon roi. Lève-toi. Mon peuple est en train de souffrir. Nous n'avons pas mangé pendant plusieurs jours. Et tu n'as pu rien faire pour nous. Mais mon roi... Silence. Sur votre chemin, ne faites pas confiance à un ami, à la feuille verte. Mon roi, je ne comprends pas. Sur votre chemin, ne faites pas confiance à l'ami, à la feuille verte. Mon roi! Qu'est-ce qui est arrivé à notre roi? Qu'est-ce qui est arrivé à notre roi? Je le vis dans mon rêve. On n'a plus assez de temps. Notre peuple a besoin de nous. Nous devons les sauver. Nous devons nous mettre en chemin avant que le soleil ne se lève. Allons-y. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je peux pas continuer. Je suis fatigué. Silence. Silence. Ugoma, qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi. Cette forêt appartient aux guerriers d'Akwege. Nous devons être très prudents. Ils vivent dans les arbres. Ils sont aveugles. Mais ils agissent par le son. Nous devons nous regrouper et veiller les uns sur les autres. Ils tuent et mangent de la chair humaine. Maintenant, cela signifie que nous devons marcher très prudemment, calmement, silencieusement. Allons-y. Allez-y, 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 allez sauver notre peuple, allez récupérer le tambour sacré, allez-y, allez-y, allez-y. Ha ha ha!
Ekena. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans notre terre? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je suis confus. Je suis confus, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas mangé depuis. La nourriture est loin d'être ma préoccupation pour l'instant. Je suis préoccupée de nos guerriers. Ils ont sacrifié leur vie pour nous sauver. Nous ne savons pas comment ils sont là-bas. Rien ne va leur arriver. Ils sont toujours vivants ou ils sont déjà morts. Je prie que les dieux leur viennent en aide en ce moment. Plus que nous en tout cas. Ça va aller. Ils reviendront, ne t'en fais pas. Je le crois vraiment. Rien ne va leur arriver. Mais ça va aller. Mes enfants, s'il vous plaît, aidez-moi. Ngona, non! Ça, c'est un piège! Je sais que peut-être que je n'ai toujours pas fait ce qu'il fallait. Mais en ces moments, nos frères au village attendent ce que je puisse faire de mon mieux. Alors, laissez-moi l'aider. Ok. Es-tu sûre de ça? Prends ça. Fais-le alors. Maman, laisse-moi t'aider. Que les dieux te bénissent. Que les dieux te bénissent. Oh, maman, tu vas dans quelle direction? Dans cette direction. Suis-moi. Doucement. S'il te plaît, vas-y doucement. Majesté, as-tu un signe de... Non, Majesté,
Beaucoup de gens de ce village sont déjà assis devant l'entrée de la forêt interdite pour les attendre. Oh, Dieu de notre terre, ne nous punissez pas ainsi. Dieu de notre terre, ayez pitié de vos enfants, chers ancêtres, je vous en prie. Venez à notre aide. Venez nous aider, Dieu de notre terre. Je vous prie du fond de mon cœur de venir nous aider. Papa, le grand roi des Oumon, j'ai très faim. Ça fait 2 jours que je ne mange pas du tout. Je ne prends que de l'eau. Ah! Allo, Meniro Dogu. Allo, Meniro Dogu. Ma fille bien-aimée, la faim ne va pas te tuer. Rien ne va t'arriver. Ne t'inquiète pas. Je crois que le grand guerrier du royaume de Umunri reviendront avec le tambour secret et il y aura à nouveau de la nourriture. Je le sais et je le sais très bien qu'ils ne vont pas nous abandonner. Ok, papa. Viens là. T'en fais pas, tu pourras de nouveau manger, oh. Tout ira bien. Fais descendre le bois. La rivière des Demi que vous cherchez est au-delà de la vue humaine. Seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent le voir. Si vous continuez de faire votre route, vous marcherez jusqu'à l'éternité. Sans pour autant le voir. Et comment sais-tu que nous partons à la rivière d'Idemili? N'oublie pas que tu viens de m'aider
Je me suis donné une promesse de vous aider maintenant, jusqu'à l'avenir. Mais, méfiez-vous de la fille qui porte de feuilles vertes. Mais je ne comprends pas. Ikema, comment connaissez-vous mon nom? Fais sortir l'œuf. Place ta main sur ça. Mets ta main sur ça. Rapproche ça de tes yeux. Ferme tes yeux. La rivière dit d'Emily. Quel est Dieu soit loué. Finalement, nous y sommes arrivés. Bienvenue, le sauveur d'Umori. N'ayez pas peur. Le prince et Obioma ont souillé le royaume en faisant l'amour sur la terre de la ferme. Par conséquent, le sang d'une vierge a coulé sur cette terre. Pour que toute votre terre soit purifiée, une vie doit être prise en retour. Quoi? La vie. Un de vous doit entrer ici dans cette rivière pour sacrifier sa vie. Oui, c'est ça. Pour avoir le tambour sacré et purifier la terre. Homme sage, nous venons de très loin. S'il te plaît, aie pitié de nous. Silence, Chiwogo. Silence. Un de vous d'entrer dans cette rivière pour se sacrifier. Oui, c'est ça. Avant que vous puissiez avoir le tambour sacré. Le sang pour le sang. Ugona. 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 Ugona, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ugona. Prenez-moi, grand sage. Je suis prête à sacrifier ma vie pour la survie de mon peuple. Non. Non. Ugona. Fille de Agumba. Une femme au cœur pur, remplie de compassion. Tu peux avancer, car les esprits des eaux attendent ton âme pure. Vas-y, entre dans l'eau et sauve ton peuple de leur chagrin. Arrête-toi! Ton âme pure t'a sauvé. Pour avoir essayé d'aider ton peuple. Les esprits des eaux sont prêts à te récompenser. Maintenant, lève tes mains. Le tambour! Le tambour sacré! Maintenant, rentrez à Umori et sauvez votre peuple. Parce qu'il meurt. De faim. Merci beaucoup, grand sage, merci. Mais soyez avertis. Faites attention à l'ami avec la feuille verte. Allez maintenant et ne vous retournez pas.
Partez! 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 Avant de passer pour accéder à la terre des vivants, l'un de vous doit danser pour nous, sinon vous mourrez tous. Prêtresse, moi je veux danser. Tenez-vous, main dans la main. Chibok, nous allons prendre quel chemin? Je ne sais pas. Je suis confus. Ugona. Quel chemin allons-nous emprunter? Nous devons aller par là. Le mort! Par là! Allons-y! Partez! Partez, je vais les combattre ici! Partez! Amenez les tambours sacrés au village et sauvez notre peuple! Partez! Allons-y! Prenez, partez! Prenez, partez! Partez vite maintenant! Sur ton chemin, méfie-toi de l'ami aux feuilles vertes. Mon roi, je ne comprends pas. Sur ton chemin, ne crois pas en l'ami aux feuilles vertes.
Tu aimes toujours être la meilleure. Tu aimes toujours être victorieuse. Pour que le villageois puisse t'acclamer. Et tous les honneurs seront juste pour toi. Aujourd'hui, c'est ta fin. Les tambours et en moi maintenant. Un animal féroce va te dévorer. N'importe quoi. Ekemma, nous sommes fiers de toi. Tu as bien fait. Tu as tant fait. Sois la bienvenue à la maison. Qu'en est-il des autres? Mon roi, ils sont tous morts. Hey! Ils sont morts vaillamment. Quel est Dieu de notre terre? Accepte leurs âmes sur la terre des morts. C'est... Ikema, le cœur de l'homme est méchant et jaloux par-dessus tout. Quiconque ramène les tambours sacrés doit le faire résonner pour qu'enfin la nourriture soit produite pour tout le village. De sorte qu'ils retrouvent leur force. Maintenant, avance et fais résonner les tambours. Ekema, avance s'il te plaît, avance. Vas-y et joue du tambour sacré. Joue, vas-y. Hey, excuse-moi un peu. Et es-tu sûr que tu as emmené le tambour secret original? Oui, mon roi. C'est à toi que le tambour a été donné par le vierge des Démili. Oui. Mensonge. Hey. Mon roi, c'est à moi qu'on avait remis les tambours. Hey. Elle a essayé de me tuer. Hey. Mais les esprits ont sauvé ma vie. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Approche. Ah! Tu aimes toujours être la meilleure. Tu aimes toujours être victorieuse. Pour que le villageois puisse t'acclamer. Tu veux qu'il te donne tous les honneurs possibles. Aujourd'hui, c'est ta fin. Le tambour est à moi maintenant. Un animal féroce va te dévorer. N'importe quoi. Et qui m'a essayé de me tuer?
en étais averti. Dommage que tu ne l'as pas pris au sérieux. Ton bon cœur t'a sauvé. Tu m'as aidé à transporter le bois. Au moment où tes autres amis t'en ont empêché. C'est pourquoi je m'étais décidé de t'aider. Rentre maintenant au village en célébration de ta gloire. Pars! Ok. Pars! Tu es maléfique. Garde, saisissez-la. Maintenant, Ogona, prouve-nous que c'est toi qui as ramené le tombeau sacré. Avance et fais-les résonner. Ikema, tu as laissé la jalousie et la méchanceté les remporter sur toi. Tu as souffert pour notre peuple pour nous redonner le bonheur. Maintenant, tu vas souffrir pour avoir laissé la jalousie te remporter. Ikema, tu es maléfique. Tu es maléfique et très méchante. Garde. Saisissez-la et enfermez-la. Jusqu'à ce que je pense à ce que je vais pouvoir lui faire. Ah. Hey, Ikema. Ikema, quelle méchanceté. Ah non. Ogona, tu es vraiment bonne. Merci infiniment pour avoir ramené notre tambour secret. Je ne sais pas comment exprimer notre gratitude. Mais la seule chose que je peux te dire maintenant est ceci. Pour avoir fait ceci, je fais de toi ma femme. Ogona, viens. Applaudissez, allez-y, allez-y. Du royaume de Umunri. Magnifique peuple du royaume de Umunri. Oh, aujourd'hui est un magnifique jour dans ma vie et aussi pour la vie de chacun d'entre nous ici dans ce royaume même. Aujourd'hui, je vous présente la reine du royaume de Umunri. Que le Dieu bénisse votre union.